Bonjour à tous, c'est une veste Pokémon. On continue sur l'aventure de la display Évolution Céleste, on se fait plaisir. Espérons qu'on continue sur le bon tirage qu'on a eu jusqu'actuellement. On est à 4 ultra rares. Je ne sais pas si on peut avoir encore quelque chose. Allez, on est parti. Espérons, hein. Espérons qu'on ait quelque chose. Je vous cache pas ma réelle envie d'avoir une alternate. On a eu du Miasmasme. Bon, Miasmasme, c'est pas la carte qui fait rêver. Hein. Ce qui fait rêver, c'est le Rayquaza, le Noctali et tout le reste. C'est quoi ça, Kulbitoke? Ah, je savais même pas qu'il y avait Kulbitoke. Et derrière, on a Milobélus, mais en normal. En normal, d'accord, très bien. On sort en normal. Hop. Hop, c'est reparti. Je vais assez vite hein, parce que la principale. Chose intéressante, c'est l'ultra rare qu'on puisse avoir dans ce display. Alors, j'ai vu des displays à 10 ultra rares, d'autres moins. Bon. T'es dur ça, d'accord, j'aime bien. Valise de secours et derrière, on n'a rien. Flambuzard, c'est ça, c'est la rare. Hein. Ouais, c'est la rare. C'est bien Flambuzard. Ok, il n'y a rien d'autre. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop, excusez-moi, j'ai peut-être tapé un petit peu dans le téléphone, dans le pied du téléphone. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas ouvrir énormément de cartes Pokémon de cette série-là, car elle est trop prisée par les scalpeurs et par tout le monde. Hop, il n'y a rien. Ok. Hop, hop. Tu vas venir, oui. Oh. J'arrive pas. Là, voilà. Exagèle, ok. Chlorobulle. Ah, il y a un petit truc. Un Oursaring en reverse. D'accord, Oursaring en reverse. Ok. C'est pas la folie, hein, mais bon. Déjà, on regarde pas mal de boosters d'évolution céleste dans la display. Je pense qu'on est à peu près à 20, 20-25 boosters ouverts déjà. Donc ça va vite. Je passe un petit peu les cartes. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est celle qui est un peu plus loin. Oh, que l'Orior. Oh, j'aime bien la carte. J'aime bien la carte, donc je pense que je vais la garder. Il y a quoi là? Ok, montagne. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Le style est bien. J'aime bien l'arrière-fond, on dirait qu'il dessine avec sa queue. Donc, ouais. Ça, hop, ça va dans la collecte. C'est bon. Hop là, c'est tout. Alors, on continue, on ne s'arrête pas sur un si bon chemin. J'avais envie d'ouvrir un petit peu chaque jour, mais bon, c'est une série tellement chouette que je me fais plaisir. Ah, oh, le sulfureux de galère! En reverse, reverse. Ah bah on prend, ok. Ok, le sulfureur de galère qui est très sympa. Moi qui n'ai pas pu ouvrir hop là, de série Règne de glace, j'ai rien pu ouvrir. Ouvert. Bah elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal pour une Houlou. Ça me va. Ça me va, ça me va. Bon après, bon. J'espère toujours cette petite ultra rare qui me fera sauter de joie. La précédente vidéo, si vous l'avez regardée, il y en a une qui m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si on aura le droit à la même chose. Copieuse. Ah, mais c'est une foule. Ah, bah merde. Ah, bah c'est une foule art. Ah, bah d'accord. Ah, bah on a une foule art. Ok. Je me disais, tiens, mais ouais. C'est la 200 sur 203. Ah, j'aurais préféré la carte qui va après, c'est le Rayquaza, je crois. Ok, bon, bah très bien. Très bien, elle mérite une hostile protectrice. On va la protéger, bim. Top loader, tout ce qu'il faut. La copieuse. Ok. Alors celle-ci, je pense que j'abandonnerai. Elle n'ira pas dans ma collecte. Parce que je ne collectionne pas les cartes dresseurs. Mais elle est sympa. Enfin, la pose est sympa, comme vous pouvez le voir, honnêtement. Hop. Hop là. Elle est vraiment sympa. Du coup, alors attendez, je fais le point sur combien j'ai eu d'ultra rares. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un display à 5 ultra rares. Je sais pas si on peut avoir encore quelque chose. Oula.
Hop. Après, les oiseaux m'intéressent en holo, donc. Oh. Hypnomade en reverse. Ok. Ok. Hypnomade en reverse. Bon. Hop. Je pense que visiblement je n'aurai pas d'alternate sur ce display. Ça m'a pas l'air très bien engagé, en tout cas pour avoir une alternate sur le display Pokémon. Et là nous avons rien. On peut le voir, on n'a rien du tout. Hop. Il y aura peut-être encore un petit peu d'ouverture d'évolution céleste, mais ça sera plus tard. Ah, là, il y a quelque chose, par contre, je crois. Ça sera un petit peu plus tard, par contre. Parce que je reçois une valisette Evoli. Moi, je crois qu'il y a un truc, mais je suis pas sûr. C'est à l'envers. Ah, mais attendez. Ah, mais non, c'est rien, ça. 141. Non, je croyais que c'était une carte ultra rare, mais non. En mode thérapeute. Non, non, c'est rien. Ok, non, non, non. C'est moi qui ai cru un moment voir la carte que j'aimerais tant. Emolga, sympa je trouve d'ouvrir comme ça parce que on a direct un petit peu la surprise assez rapidement même. Oh le diamat il est très très beau. Il est magnifique le diamat. Ben, je pense que ça sera la dernière vidéo lié à ce display Pokémon. Sauf si j'arrive à avoir un autre display, mais ça m'étonnerait. Taignon est derrière, on a. Ouais, Froussardine. Ouais. Froussardine, pof, pof. Je vais vous dire. Attendez, je vais vous donner un petit code. Hop. Voilà, en milieu de vidéo, un petit code pour ceux qui, bah, qui utilisent un petit peu ce genre de jeu en ligne. C'est un Dracos? Un Dracos. Ah, bah attendez. Ah merde. Non, j'y crois pas. Non! Non! Non, je crois bien que. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Oh, j'y crois pas. Non! Non, j'y crois pas. Non, non, je crois bien que c'est ce que je pense. Oh mon dieu! Attendez, attendez. Oh là là, mon dieu. Si c'est ce que je pense. Oh là 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 là. Oh là 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 là! Attendez, attendez, attendez. J'ai fait un peu vite, mais si c'est ce que je pense, là, ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Ou alors j'ai dû rêver, non, je crois que j'ai rêvé. Attendez, après le Dracos. Attendez, 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 attendez. Ouh loulou, loulou, oh là là, attendez, attendez, attendez. Si c'est ce que je pense, oh là là. Oh là là. Oh là là là. Ah, c'est pas souvent, hein. Non, honnêtement, j'ai pas eu souvent des bons tirages pour vous dire. J'ai ouvert des choses, d'autres, des coffrets, des choses comme ça. Mais j'ai jamais réussi à avoir une belle carte ou un truc de ouf. Et là, je crois bien qu'on a quelque chose de ouf. Hein. Je crois bien que c'est quelque chose de très ouf, même il me semble, mais je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Oh là là, oh là là. Oh là là là, attendez, 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 attendez. attendez, ce qu'on va faire, on va faire les cartes de derrière. Ouais, cartes de derrière. Donc on a mélange machin chouette, ouais. À quoi quoi, ouais. Pas traquené, ouais, ok, pour pas traquené, et non, c'est pas encore énergie, ok, donc c'est bon, c'est la dernière, ouais, là, alors, attendez, 2 secondes, faut juste que je me remette, si c'est ce que je pense, attendez, on va regarder, hein, on va arrêter le suspense, le Draco c'est magnifique, mais ce qu'il y a derrière, je crois que c'est encore plus magnifique, donc, on y va. 218 sur 203, ouais. Je crois bien que c'est ce que je pense. Déjà, on va relever doucement. Alors, mettez pas un Miasmax, hein. Sinon, je vais avoir les boules comme Jaja. Détonomax. Ah, yes! Yes! Et, oh putain, la carte! Non! Ah, j'ai failli la faire tomber. Oh putain, yes! Excusez-moi. C'est la carte recherchée, la plus recherchée de toute la série avec le Noctali. Alors attendez. Putain, j'ai fait tomber la carte comme un con. Est-ce qu'elle est bien centrée? Ouais, elle est bien centrée.
Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est bien ce que je pensais, hein. C'est bien ce que je pensais. C'est genre voilà, mais j'ai pas trop de mots en fait pour vous le dire. Tellement, j'ai pas eu de chance dans des boosters que j'ai ouverts et autres. J'ai pas eu tant de chance que ça. Et là, je chope un Rayquaza VMAX qui vaut très cher, hein. Je vous dirai combien il vaut un petit peu plus tard, mais on n'est pas loin des 4 chiffres. Et ouais, non. Là, ouais, c'est la première fois, hein. C'est la première fois que je chope un Rayquaza VMAX. C'est le Rayquaza VMAX en fait que tout le monde cherche. Et ouais. Ouais, non, là honnêtement. Ouais, non, honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que j'ai jamais eu trop de chance d'ouvrir des cartes Pokémon. J'ai ouvert par exemple, je sais pas, la série où il y avait les Dracaufeu, là, j'ai plus le nom. Ah, j'ai plus le nom en tête où il y avait deux Dracaufeu. Bah, je sais pas si vous verrez laquelle série c'est. Maître légende du maître ou un truc comme ça, il y avait le mot maître dedans. J'ai ouvert beaucoup 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 de boosters et je n'ai jamais eu de chance, jamais jamais jamais. J'ai eu des cartes de merde, mais là voilà, là, le seul mum, si je chopais un Octali VMAX qui va avec, bon là je là je voilà. Bon, on va la mettre de côté, il nous reste encore quelques cartes à ouvrir, mais ouais. J'y croyais plus, honnêtement, j'y croyais plus. Honnêtement, je n'y croyais plus. Pour être honnête avec vous, au bout d'un moment, quand je voyais les cartes que j'ai ouvertes, je n'y croyais vraiment, vraiment, vraiment plus. Là, bon, je suis un petit peu ému. C'est de la carte, voilà. De la carte que jamais j'aurais pu m'acheter déjà, au prix à vous actuellement. Jamais j'aurais pu. Non, non. Non, voilà, voilà, non, j'ai plus trop les mots, donc on va continuer à ouvrir, je suis désolé. Voilà. Je suis très content, je sais pas si cette carte sort souvent ou autre, mais bon. Il y a le Noctali V qui me plaît beaucoup en Alternate, mais je suis content parce que c'est une carte Alternate en VMAX et c'est le Rayquaza, le fameux Rayquaza. En fait, les deux cartes les plus recherchées de cette série sont le Rayquaza VMAX, celui-ci, et le Noctali. Donc, je suis très content, et là, peu importe, je perds un peu la voix, je suis désolé. Peu importe ce que je vais ouvrir, voilà. Derrière, voilà. Alors, attendez, je vais vous donner un code pour ceux qui sont restés. Voilà. Ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, là, je vous donne tous les codes. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau de la maison. Je veux dire, ouais. Non, là, c'est le summum. C'est ce que j'attendais. Et c'est exactement ce que je recherchais de l'ouverture de ce genre de carte Pokémon. C'est exactement ça que je cherchais, en fait. Une carte en fait, qui me fasse un peu vibrer. De par sa rareté, de par voilà ce qu'elle représente après. Donc là on n'a rien, ok c'est bon. Hop. Non, c'est assez incroyable. Et j'espère que beaucoup de gens resteront jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un petit peu ce. Oula, excusez-moi, j'ai tapé dans le pied. Pour voir voilà, ça, quoi. C'est incroyable. Non, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai essayé d'avoir des cartes rares. J'en ai acheté aussi parce que j'ai jamais eu de chance trop en ouvrant des cartes. Donc là, en fait, ouais, voilà, c'est une juste récompense, j'ai envie de dire. Par rapport à d'autres grands youtubeurs comme David Lafarge Pokémon qui ouvre un display par jour. Vous vous rendez compte, un display par jour. Moi, je ne peux pas ouvrir un display par jour. Je n'ai pas ces moyens-là. Donc je ne suis qu'un humble youtubeur qui essaye de vous faire partager un petit peu le. Oh, il est magnifique. Ah, il est magnifique le tatatin. Ah, j'adore le design. Qui essaye de vous faire découvrir un petit peu les cartes Pokémon et voilà, qui essaye un petit peu de partager sa passion, un petit peu, c'est ça, c'est un petit peu une passion que j'ai redécouvert grâce à XY Evolution. Et là, on est au summum, je veux dire, on est au summum. Je ne pouvais pas attendre mieux. Des gens ont ouvert des milliers de boosters, ils ne l'ont pas eu. D'autres l'ont eu, bon. Là, honnêtement, si on a quelque chose, c'est où? Si on n'a rien. Oh, le trio. Oh, bah alors attendez, le trioxyde, il est magnifique. Et bah hop, ça rentre dans la collection. Il est vraiment magnifique, le trioxyde. Il est vraiment. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots car. C'est ce que je recherchais, en fait. Et, bon. Très heureux de tomber sur cette carte. J'aurais eu le Noctali V. J'aurais été autant heureux, honnêtement. Le Noctali V, voilà. Je trouve. Voilà, j'ai du mal à dire tellement je trouve beau. Et là, je crois qu'on n'a rien, mais bon, on est déjà bien servi, je trouve. Ouais. Oh, il mastouf. Ok, j'aurais bien voulu avoir un petit oiseau, mais bon, on n'a pas eu d'oiseau. C'est pas grave. Oula, attendez.
Ouais, vous voyez pas trop. Ouais, ça se pète la gueule là, un peu les cartes Pokémon sur la droite. Faut que j'y fasse attention parce que certaines vont être offertes à des amis, d'autres, je pense, je revendrai les cartes que j'ai en double sur eBay ou sur le Bon Coin ou des sites comme ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense faire une vidéo récapitulative si ça vous tente de ce que j'ai eu dans le display. Ça peut être intéressant, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Je vais faire une dernière vidéo sur ce merveilleux display. Et oui, on va faire comme ça. Ça vous dérange pas, je vais faire ça parce que là, je suis un petit peu ému. Donc, on va faire comme ça. Je vais faire une autre vidéo et je vais vous présenter les cartes que j'ai eues en fait dans le display Pokémon. On va faire comme ça. Donc, je vous dis en fait bah, tout de suite, la prochaine vidéo va arriver. Et voilà. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao tout le monde. Et merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire.